Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de We Happy Few. C'est parti! Alors, la dernière fois, on s'était laissé ici, donc dans le nouvel abri qu'on a découvert. Alors, on va juste aller faire la prochaine mission de l'histoire principale qui est donc de s'infiltrer dans le bâtiment gouvernemental. Alors, juste avant, je tenais quand même à vous dire deux, trois petites choses. Alors déjà, là, on est au moment du tournage de cette vidéo, on est exactement lundi soir. Il est genre 22 h, quelque chose comme ça. Donc j'ai passé donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, quand je dis de quasiment 10 h à peu près 10 h du matin à peu près 1 h du matin à essayer de régler des problèmes sur mon PC, à savoir un son au niveau de ma voix dégueulasse. Alors je suis quand même sur du matériel, bon, c'est pas du matériel non plus professionnel, mais c'est du matériel quand même qui coûte relativement cher. J'ai quand même mis 400 € là-dedans et j'avais des bruits parasites et j'ai toujours des bruits parasites, je suppose. Donc j'ai tout désinstallé, tout réinstallé, j'ai même changé OBS, j'ai pris OBS standard, j'ai viré Streamlabs et du coup j'ai même commandé un autre micro, donc pour. Je peux pas sortir en fait, c'est pour ça que je sors pas, parce qu'on est encore en état de manque, donc j'ai pas envie que les gens ils me spotent. Du coup, j'ai commandé même un autre micro, je sais pas si c'est mon micro, si c'est ma carte son externe, enfin quoi qu'il en soit, j'ai pris un micro USB et en même temps XLR, comme ça, si c'est un problème au niveau de la carte son, eh bien je peux directement le brancher sur un port USB et je suis tranquille. Voilà, maintenant on peut sortir, on va faire le trajet ensemble. Du coup, j'ai fait ça, j'ai eu beaucoup de retard, j'ai même pas eu le temps de répondre aux commentaires que j'ai actuellement sur YouTube, mais c'est ce que je vais faire juste après cette vidéo. Et au passage, il est quelle heure là-dedans? Il est 1 h de l'après-midi. Et au passage, je tenais également à vous dire que je suis désolé pour tout le retard que j'ai pris. Donc, dans mes vidéos, la qualité du montage, j'étais vraiment fatigué. Donc, c'est pas trop la joie. D'ailleurs, cette vidéo, ça devrait être quelque chose à peu près pareil. Mais je vais quand même faire l'effort de faire un montage correct, etc. Donc, j'en suis encore désolé. Et du coup, ben, j'espère qu'avec ce nouveau micro, le problème sera résolu. Et qu'on sera tranquille pour pouvoir continuer notre aventure sur ce jeu, sur d'autres jeux, etc. Donc nous sommes actuellement au niveau du bâtiment gouvernemental. Alors on va essayer de rentrer dedans. Je sais pas comment. Donc là c'est entrer dans la ruelle. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Voyons voir. Il me faut une lettre pour retourner à la parade, mais je fais partie des individus indésirables. Alors je doute qu'on me fournisse une avec avec un simple sourire. Je peux peut-être en voler une ou faire un faux au vieux bureau. Ok. Donc on rentre dans la ruelle. You know what? Never mind. Next week? Arthur? Arthur Hastings! Lovely day for it. Don't you lovely day for it, me, you idiot? It's me! Sally! Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how, you're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's like the mask isn't even there. I just knew. There's Arthur. Sally? You look fantastic. This ancient thing. I've had it 2 weeks. I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. Oh, that horrible gingham dress. God, that takes you back. Oh. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, ye of little fucking faith. I'm not gonna turn you in. Whatever possesses you to go off your joy? Percy. Oh, God. I saw a picture of him. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you gonna get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk, in the city. Good Christ. Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Byng. Of course you are.
No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the general out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take enough stuff. Look, some downer broke into my lab last week, literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh no, not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like nothing happened. Look, I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling... better? Brilliant. You arse. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologizing grievously? And asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Ça fait peur, ce con. Oh, but what have we here? A friend of Miss Boyle's, innit? Funny, you don't seem all high and mighty. Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. I'll put a damper... Alors, on va se prendre un petit, une petite arme, tranquille. Donc, il y a deux solutions. Soit je les tue, soit je les tue. Je fais quoi? Je les tue. Allez, ça dégage. It's not personal. On va se soigner encore une fois. Ok. Pour l'instant, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient sur eux? Que dalle. Une poêle et un pied de biche. Et toi? Un rouleau à pâtisserie. Donc là, ça mène dehors. Par là, il y a des choses, à part boire et une poubelle, il n'y a rien. Et là, il y a la ruelle où on était la dernière fois. Donc, on va en profiter pour remplir les gourdes. Ok, on est à fond. Ok, on a bu, on va manger un truc. Est-ce qu'on peut manger là-dedans? Alors, voyons voir. On peut manger, par exemple, le sandwich. Ok, ça c'est bon. Donc, la suite des événements, pardon, de quoi s'agit-il? Le devant est tout barricadé, et si j'allais voir derrière, ça ne sert à rien de discuter avec ces types. Je dois leur échapper. Ok. T'as vu ce que j'ai vu là? Il y a un connard de flic juste à gauche. Ah merde, c'est scripté, j'ai pas le choix.
Now what's all the scuffle? You've been having an altercation in the alley? Nothing you need to worry about, Constable. I'll, just be on my way. And where is it you're on your way to? Precisely. Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George is, under renovations. Oh, for how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Stay out of city business. I suppose if I want to go and make up with Sally, I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. It's always a little extra complicated with Sally, isn't it? Il se passe pas mal de choses là-dedans. Donc on a reçu une lettre. Non, c'est pas une lettre, c'est... Ce sont ses mémos, en fait. Ok. Donc, on doit trouver le bureau du dauphin, le docteur Faraday, pour qu'il répare le pont qui mène à Saint-Georges. Le truc, c'est que d'après cet agent, il se trouve dans un endroit secret. Mais au commissariat, ils sauront sûrement de quoi il s'agit. Alors, en route pour le quartier général de la police, avec toutes ces anomalies pituitaires, je connais pas ce mot, qui ne demande pas mieux que de descendre un rabat-joie aussi vite qu'une pinte à l'heure de la fermeture. Ok, où est-ce qu'il se trouve ce... Ah, ben c'est cool, c'est l'endroit que je voulais vous montrer qu'on n'a pas vu la dernière fois. Eh ben écoutez, c'est juste à côté. Ah, j'ai oublié qu'il fallait pas courir. Alors qu'il me les casse. Il s'agit de ce bâtiment, on doit rentrer là-dedans pour aller récupérer... Retrouver la localisation du docteur je sais pas quoi. Police de Wellington Wells. Ok. Donc c'était ici. Bon, on va voir ce qui se passe. Ah. Hello. I'm attempting to locate Dr. Faraday. Can you tell me where I can find him? I'm afraid that information is not for public consumption, sir. I could tell him where to find Bobby Hickenbotham, though. Oh, for heaven's sake. He's not at a reform club again, is he? He was supposed to go to Ludson. Well, apparently he feels so guilty that Dr. F has been deprived of the liberties, which are the birthright of every English citizen, he's gonna get his arse spanked. Constable Bevan, I'm not the public. I'm from the Department of Archives, Printing and Recycling. We're conducting an investigation into Dr. Faraday's handling of municipal records relating to the maintenance of the inter-insular bridges. Two requests have already been sent by Miss Bing to your superior requesting this information. If I have to go back to the parade, Miss Bing's next letter regarding this apparently deliberate festinance will include the name of the last person I talked to. Will that be you, Constable, or the chap who keeps the constabulary's address book? In that case, sir, why don't you take the elevator on up to records? They'll sort you out. Thank you. Oh, sure. What the hell is festinance? They deprived Dr. Faraday of his liberties. But he made all the bridges. All right. Did you hear? They've caught Foggy Jack. Isn't that a relief? Heureux le pays qui n'a pas de passé. Pérégrination policière. C'est quoi ça? Ratiocination. Ok, on n'a pas le droit d'y aller. En fait, les flics, ils arrivent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils passent là et hop, il y a des flics qui sortent. Normal. Là, c'est quoi ça? Exaltation. Vas-y, hein, on se sert. On en profite, tranquille. Rapport d'interrogatoire. Ok.
Allez, tout ça c'est bon. Est-ce que c'est le même chemin? Ok, c'est le même chemin. Allez. Donc, mauvaise rencontre. No, it's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you'll never forget. But then, I suppose you do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you, do they not? You must get back on board! How old are you, Mr. Hastings? Oh, I'm 30. They typed my birthday wrong on the card. So why? Tu veux quelque chose, toi? Non, c'est bon. Ok, il n'y a rien par ici. Lovely day for it. Lovely day for it. Bon, sur ce, on a rencontré le patron de la police. Demandez à l'agent responsable des archives. Est-ce que je peux appuyer là ou pas? Concrètement, j'ai pas envie de... Ok, je peux appuyer. Eh ben écoutez, on va en profiter pour récupérer tout ce qu'on peut. Au pire des cas, il va rien nous dire. Le sergent quoi ? Carte d'accès, ok. On a pas reçu une note pour le sergent, je sais pas quoi. Continue de faire des pieds et des mains pour que nous arrêtions son ancienne protégée, Mademoiselle Sally Boyd, qui aurait soi-disant volé ses formules et se serait enfui avec. Ok. Donc Sadie a des petits soucis. Ah, il y a un masque qu'on va utiliser. De quoi s'agit-il? Encore? Oh, on doit être jeudi. Dites poliment au docteur V d'aller se faire foutre. Même si elle n'était pas notre seule source de joie à la mûre, le général exigerait quand même nos têtes. Ok. Ok, on récupère pas mal de matériel sympathique. Donc, concernant ceci... Germans want children. I don't know. Where are they taking them? I don't know. They won't say. When are they coming back? No one knows. They won't say. Why won't they say? Well, just shut it, Percy. Just shut it. Sorry. Till the war's over. I guess. They're losing, I think. But the radio... But the radio keeps talking about victories. Yes, but the victories keep getting closer to Berlin. I can't hear you. They keep winning, but they're then going backwards. That doesn't make any sense. It does if they're lying. Oh, people shouldn't lie. It confuses everything. Yes, yes, it really does. Okay, parfait, parfait. Où est-ce que ça mène ça? On est parti, je sais pas où là. What the f... Alphabetical. Maybe I can find Dr. F's address myself. F for Faraday. Ah ok, en fait j'imagine qu'on a sauté Je crois qu'on a sauté une étape. On va retourner en arrière voir ce que c'est. Bonjour. Non. Ah ok, d'accord. Je pense qu'on devait lui parler. Et qu'il ne nous aurait pas laissé passer. Bon, ben c'est pas grave. Alors, voyons voir. Ok.
On doit faire quoi, docteur Faraday? Et tu veux que je trouve ça où exactement? Je pense que c'est dans ce couloir, mais où exactement? Mystère. Aha. He certainly does have this place organized. Dr. Faraday's in Lud's home. That's crazy. Why? And how do I get to Lud's home? Aren't they renovating it? Ok, donc le document. J'étais concentré. Donc, Madame Béatrice Dalrymple, sergent, sergent. Je connais la nécessité d'isoler le docteur Faraday de la maison d'Ulcinane. Toutefois, vous ne pouvez pas nous demander de patrouiller sur Lutzholm. L'île est infestée de bons à rien, enragés, atteints de la peste. Je ne peux pas exposer mes agents à une foule de désaccès sanguinaires qui braillent en vieil anglais. Ok. Et si par malheur l'un d'eux se faisait mordre ou griffer, ce serait la fin du Maidenholm. Si vous ne pouvez pas faire autrement, demandez à une personne de confiance de la retrouver. Pourquoi pas Bobby Inkinbottom, ok. Il est loyal, extrêmement fiable, et s'il se faisait mordre, ce ne serait pas une grande perte. Ok, d'accord. Et donc, on doit se rendre... Ok, sur la prochaine île. D'accord. Et pour y aller... Ok, je dois me démerder pour aller sur l'île. D'accord. Eh, tu as soif? Salut. Youhou. I hope you like this sort of thing. Bois, vas-y, pour voir. Oh, touched. Truly. Tant mieux. C'est parfait alors. Allez, à plus. Donc, pour le moment... C'est parfait. Donc, pour le moment, on va retourner à la planque et on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura été donc faire deux missions, si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est plutôt une seule mission, mais on a vu deux endroits, c'est pas mal. Donc, je ne sais pas où est la maison. Mystère. Je vais trouver ça et on se retrouve juste après. Ok, nous voici donc à la maison. Alors, d'ailleurs, eux, ils sont toujours là. Ils n'ont pas encore des pop. Je ne sais pas s'ils vont rester là indéfiniment. Enfin, quoi qu'il en soit, on a donc fait deux missions aujourd'hui, si je ne me trompe pas, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce n'est qu'un au revoir et trouver Faraday. Donc, on sait où il est maintenant. Malheureusement, je ne sais pas comment on va se rendre là-bas, parce que la dernière fois, on y a été et on nous a dit que c'était fermé, que c'était en réparation ou je ne sais pas quoi, et qu'il nous faut un pass pour justement y aller, mais je pense pas qu'on ait de passe, hein. À moins que je me trompe, regardez, dans les objets de quête, ça c'est une carte d'accès, ça c'est un ticket qu'on a récupéré la dernière fois, un appareil étrange, et là on a que des clés, donc, ouais, on a que des clés, donc, je sais pas comment on va faire, mais on fera les autres quêtes, on verra, et puis, peut-être qu'on trouvera un moyen de passer ce pont. Bien, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas dégueulasse au niveau du son de ma voix. Bon, concernant la vidéo en elle-même et le son du jeu, je sais qu'il n'y a pas de problème. Par contre, ma voix, avec le micro et tout, j'ai fait le maximum, filtre anti-pop, bonnette et tout le bordel. Mais je ne sais pas si on va avoir un son correct ou pas, une fois le rendu terminé. En tout cas, j'espère. Et dans tous les cas, de toute manière, je reçois mon micro très bientôt. Et j'espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu.
Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand je sortirai une vidéo. Et si vous voulez me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye.